Oh oh oh. Oh oh Est-ce que vous êtes ready? Est-ce que vous êtes prêt? Je demande l'avis de tout le monde. Attention sur IRC, est-ce que vous êtes prêt? Attention, est-ce que vous êtes prêt? Bienvenue dans le Legendary avec bien sûr moi-même, votre animateur, votre esclave ce soir pendant 4 heures puisque nous serons de 20h jusqu'à minuit ensemble. Lej est aux commandes avec ou sans lac, on ne sait pas, c'est la question qu'on est en train de se poser sur IRC. Est-ce que Dailymotion va nous faire full lag, more lag? Fuck. Ah merde, il y a du lag. Ça va être un petit peu dérangeant, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Nous, nous gérons pas Dailymotion. Tant pis. Peut-être que certaines personnes n'ont pas de lag chez eux, donc je vais parler à ces personnes. Peut-être tu t'appelles Kevin ou Jonathan. Eh bien, vas-y, regarde le Legendary avec plein d'autres de tes copains, de ta famille, de tes animaux. Vas-y, reste avec nous, mon cher Jonathan ou Kevin. Ça n'a pas d'importance. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a dans le Legendary, Kevin? Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le Legendary? Eh bien, c'est très simple. Il y a un jeu Flash, un jeu fil rouge que nous allons jouer toute la soirée. Non, on ne va pas y jouer pendant toute la soirée. Vous y allez. Vous allez y jouer pendant toute la soirée. Oui, moi, je vais jouer à League of Legends. Mais pendant ce temps-là, vous allez pouvoir essayer de faire le max score ou essayer de finir le jeu Flash que je vais vous proposer. Il y aura aussi, bien sûr, des vidéos fun que je vous montrerai, que j'ai dénichées sur Internet grâce à mes relations un petit peu. Il y aura, bien entendu, la vidéo Caliente en fin d'émission et la découverte d'un artiste que j'apprécie. Vous allez voir, ce soir, c'est Back to Oldies, un petit peu. C'est une femme. Voilà, c'est un groupe, mais c'est une chanteuse. Ils n'ont pas fait beaucoup de musique. Il y en a surtout une très connue grâce à certains films. Elle a été reprise dans de nombreux films. Peut-être que vous avez déjà trouvé sur IRC, je ne sais pas. Peut-être. Hein. Peut-être que sur IRC, il y a déjà des noms d'artistes qui sont en train d'arriver. En tout cas, je ne dis rien. Pas de spoil, ne vous inquiétez pas. Vous verrez ça en milieu d'émission. Vous allez pouvoir aussi choisir mon héros sur lequel je vais jouer ce soir. Et je vais vous permettre de faire ça très rapidement, directement. Je vais publier un sondage juste en dessous du lecteur sur millennium.org. Sur Minium.org, il y a énormément de choix disponibles. Vous avez 3 minutes pour pouvoir voter. Allez-y, votez. Voilà, un vote de collecté. Merci. Tu vas être le seul votant. Et tu as voté Fizz. Ah non, c'est bon. D'autres votes sont en train d'être collectés. Imitez-les. Oui. Imitez vos copains là. Allez voter juste en dessous du lecteur. Même si c'est lag pour vous, moi, ça ne lagra pas pour moi. Et donc, je jouerai cette game quoi qu'il arrive de toute façon. Donc, allez-y les amis. Soit choisissez mon héros. Vous savez en plus que un vote peut faire la différence. Nous ne sommes pas au présidentiel. Ben voilà, si vous...
Ah, les plus fidèles d'entre vous avaient un petit peu oublié. Allez, c'est temps, c'est dommage. Allez, on va être parti directement dans ce Legendary avec... Avec quoi, les amis? Nous allons partir avec le jeu Flash. Et je vais essayer de le retrouver. Le voilà. Oh, 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 il fait peur. Il fait peur, celui-là. J'enlève le petit chapeau, je mets le casque pour voir un petit peu le son, évidemment. Ah, je vais le remettre parce que... Il y a un petit peu de son intéressant. Ouh, écoutez ça. Ouh, ça fait peur. Ouh, là, vous êtes apeuré, je le sens. Dead Frontier, Redbuild, Rebuild, je sais plus comment dire. Allez, Rebuild 2 is ready for your doom. Play. Allez, on va play ensemble. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se joue, ce mini-jeu. J'ai bien aimé. J'ai un petit peu buggé sur le jeu. Je suis resté pendant, allez, quoi, un petit quart d'heure dessus. C'est assez sympathique. Bon, alors ça fait un petit peu peur, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas un jeu qui fait peur, c'est plus un jeu de gestion qu'autre chose. On va devoir rentrer quelques informations. Alors, votre nom, alors évidemment, moi, mon nom c'est Lège, je suis un homme actuellement, et j'aime bien la photo. On peut très bien aussi changer la photo. Ah, un petit casque comme ça, ça me plaît bien. Et il faut que vous choisissiez un petit peu votre objet de départ. Alors là, il y a un dog, là, il y a, je ne sais pas, là, il y a un chapeau de cow-boy, un pistolet, des lunettes. On a trouvé qu'est-ce qu'il fallait prendre. On va prendre des lunettes, évidemment. On continue, on continue, mais ça ne veut pas. What? Déjà, le mystère est dans ce jeu Flash. Ah, c'est bon, je n'ai pas compris pourquoi. Ça me semble un peu bizarre quand même. Nous sommes en 2014, donc c'est soon quand même, hein, la destruction du monde avec les zombies, etc. Puisque c'est un petit peu ça, le jeu, l'histoire du jeu, c'est que chez vous, enfin dans votre ville, tout a été massacré, tout a été infesté de zombies à cause d'une maladie. Et que donc du coup, il ne reste plus qu'un groupe de survivants que vous allez devoir un petit peu guider vers la lumière. C'est un petit peu votre job aujourd'hui. Alors, I feel me made it to Burnaby. Non, Marseille. Voilà, on va à Marseille, une typical city. On va se mettre en... Pas en pretty easy, on se met juste au-dessus. Hein, histoire de pas faire non plus le blaireau. Et vous allez voir un petit peu comment ça se joue. Il y a un tutoriel, donc ça c'est très sympathique. Tout est expliqué pour bien jouer. Vous allez avoir donc plusieurs survivants avec vous. Vous êtes au nombre de 7. Regardez en haut à gauche, c'est marqué 7 sur 12. C'est un petit peu comme les jeux de stratégie ou quoi. Vous allez devoir construire des appartements ou des fermes pour récolter par exemple des petites pommes, de la nourriture, ou alors des appartements pour pouvoir faire vivre vos survivants dans celle-ci. C'est tout simple, hein. C'est vraiment très très basique en tout cas. Alors, on fait next, on refait next. Et je vais vous montrer un petit peu déjà comment on joue. Alors, l'appartement, ça c'est votre appartement de base. Alors, bien sûr, ça discute, ça met du tutoriel. Vous ne pouvez pas le remplacer par quoi que ce soit actuellement, puisqu'il vous faut un builder niveau 4 par exemple pour faire un hôpital, un builder niveau 3 pour faire une église. Enfin bref, vous n'avez pas encore d'ingénieur assez diplômé pour pouvoir réaliser ce genre de bâtiment, vous voyez. Allez, on va aller directement à la police et on va mettre un garde à la police. On va mettre une personne qui sait bien viser. On va mettre Sébastien, hop, on va même peut-être l'équiper. Ah non, on va pas l'équiper d'une paire de lunettes. Bon bah tant pis. Alors on met Sébastien. Voilà, comme ça vous voyez le petit pistolet. C'est lui qui garde la police station. Et puis voilà, on n'en parle plus de celui-là. On va aller du côté de la ferme. Et on va assigner un fermier. Ouais, on va assigner un fermier à ceci. Alors vous voyez l'aile, je suis là, bonjour, avec un petit drapeau et puis un petit sac d'or. Alors on va pas me mettre quand même dans la ferme, ça serait un petit peu pas worth it, hein, j'ai envie de vous dire. On va mettre Snake Heavens. Voilà, on va faire ça comme ça. On va aller donc ici, donc ça c'est une autre maison, ça, on va dire c'est une maisonnette. Voilà, c'est un lieu plein de vie et de joie. Donc pour l'instant on va rien faire et nous avons encore donc 5 personnes qui n'ont pas d'action à réaliser avant de finir le tour parce que c'est du tour par tour. Vous voyez en haut à droite un end day one, etc. Donc on va aller du côté du deuxième appartement et on va essayer, regardez, de recruter des survivants. Alors pourquoi, comment on va faire? Eh bien on va m'envoyer tout simplement. Regardez, puisque vous avez des petites statistiques à droite de chacun de vos personnages. Par exemple là vous avez offense, donc offensif. Vous avez the scavenging, ouais, bon ça veut dire il fait bien l'agriculture, la science. Nous avons l'ingénierie et nous avons le leadership. Donc moi
je suis un leadership, comme vous le voyez avec mes statistiques, deux petits drapeaux, un petit sac d'or, et je vais avoir donc 54% de chance de recruter des survivants avec 1% de danger, et ça me mettra un jour à réaliser. Donc hop, on va directement donc dans cet appartement là, il n'y aura pas de soucis, et puis après on va aller dans d'autres endroits aussi. Alors regardez par exemple le Walmart. Ah, le Walmart. Alors il y a il y a some food, donc il y a un petit peu de nourriture. On peut très bien y aller et puis essayer d'aller voler de la nourriture. On peut aller recruter des survivants ou alors on peut tuer les zombies. Alors, on va essayer de voir si on peut pas tuer quelques zombies. Regardez, nous avons deux personnes qui sont là et qui sont des soldats, des guerriers. Donc on va les envoyer les deux. On va les envoyer, on a 6% de danger, il y a 3 zombies à tuer. Allez, on espère qu'ils vont réussir à faire tout ça. La petite centrale, le petit laboratoire. Qu'est-ce que nous avons à faire ici? Il n'y a pas de nourriture, il y a des zombies. Donc en fait, pas grand-chose à faire. On n'ira pas pour le moment. On va aller du côté du bar. Évidemment, on va scouter l'area. Et on va scouter avec Leon Moore, qui est une personne avec peu de statistiques. Hein. Comme vous le voyez, on va scouter donc avec cette personne-là. Et puis après, est-ce qu'on va dans les bois ou est-ce qu'on va autre part? Recrute survivor, ou alors on pourrait aller voler un petit peu de nourriture. Non, ça serait pas bien d'aller voler de nourriture ici. Hop, on pourrait être... Ah, lot of food. Ah, pas mal. Ah, voilà. Finding équipement. Donc on a 7% de chance de trouver de l'équipement, 3% de danger et 3 nourriture. On pourra collecter, on ira avec Adam Cooper et hop, on finit le tour. Et donc comme vous voyez, là ici 50, donc ça c'est de la votre nourriture que vous avez, moins 5 c'est la nourriture que vous perdez chaque tour. Nous avions lancé une campagne de recrutement, si je me souviens bien, avec la personne de Lège. Et bien nous avons réussi à avoir deux personnes, Gustave Miyamoto et Bagdad, un pseudonyme que j'apprécie dans ces temps un petit peu difficiles de fin du monde. Donc nous avons deux personnes de plus, donc c'est super, vraiment aucun souci. Alors, Scavenge for Supply, on a trouvé un mégaphone apparemment. Donc ça c'est une bonne nouvelle, hein, j'ai envie de vous dire. Et nous avons donc 7% de chance de trouver un équipement et on a chaté quand même. Alors voilà, c'est down. Et puis on peut très bien refaire ça au fur et à mesure. On va peut-être refaire un tour. Je voudrais vous montrer en fait l'attaque de zombies, la première attaque. Alors hop, on va aller tuer les zombies avec cette personne là et Leon Moore, non je ne sais pas. Non, je vais pas aller tuer les zombies comme ça. Hop. Scout the area, notre scouted. On va aller scouter avec cette personne là, le Walmart. On scoute avec celui-ci. Oui, il est très sympathique. Et puis attendez. Allez, on va envoyer Bagdad. Oui. On va aller le tester. On va tester Bagdad. Qu'ils ont mis, ça sera pas suffisant. Ça sera pas possible plutôt. Et puis là, on va retourner voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ici. Et puis moi, où est-ce que je vais me mettre? Eh ben je ne sais pas, pour être tout à fait franc avec vous, je voudrais bien aller recruter des gens, mais ça m'a pas l'air d'être possible. On peut reclaim l'area, et ben voilà. Reclaim l'area, en fait, c'est vous expandre tout simplement avec votre fort. Regardez, vous avez des petits barbelés là, et ben vous allez pouvoir expandre votre fort jusqu'à l'église au bout de 5 tours. Allez, on en vient, hop. Bon allez, je vais end le D3 aussi sans refaire de choses. Et regardez, zombie attaque. Donc vous avez à 47 de défense. La défense est faite selon le nombre de personnes que vous avez dans certains lieux. Voilà, 47 de défense, zombie 8. On a gagné, personne n'est mort. C'est parfait, la vie est belle. On va pouvoir continuer de ramasser nos champignons tranquillement dans la forêt. Et nos petites pommes. Voilà, ça c'était Rebound 2. Les amis, si vous voulez jouer à ce petit jeu Flash, eh bien allez-y, veuillez vous connecter à IRC, c'est à droite du lecteur sur Millennium.org, dièse Millennium 2 si vous voulez jouer avec moi, puisque moi j'ai déjà joué à ce jeu, mais si vous voulez jouer aussi avec toute la communauté, allez-y, c'est bon, pas de problème. Alors, impossible de voir, est-ce que ça cut, est-ce que ça lag toujours, et qu'est-ce qu'on fait? Ça y est, ça marche? Ça y est, c'est bon, il n'y a pas de problème, on peut continuer le stream, je ne sais pas, c'est comme vous le souhaitez. Je vous rappelle donc, à droite du lecteur Millennium.org, vous avez un petit encart, vous rentrez votre pseudonyme, le bon chat c'est dièse Millennium 2, nous sommes sur le serveur quakenet.org pour ceux qui utilisent le logiciel MIRC. Et j'ai déjà balancé le premier lien du jeu Flash Rebuild 2, et le premier qui finira ce jeu, alors dans la difficulté
qu'ils souhaitent, hein, bien sûr. On n'est pas dans une course de rapidité ici, mais en tout cas, le premier qui finira le jeu, il faut récolter. Alors, le but à la fin, c'est d'avoir 30 maisons, enfin 30 bâtiments, plus le City Hall. Et vous avez aussi bien d'autres manières de gagner la partie. Je vous laisse découvrir tout ça. No spoil, les enfants. En tout cas, celui qui arrivera le plus rapidement à finir une game, un petit screenshot, vous l'hébergez sur un hébergeur de fichiers, sur Internet. Et vous, après, vous me l'envoyez sur IRC M Entre Crochet Studio, c'est mon pseudonyme. Vous pouvez même me poser quelques questions. Il n'y a aucun souci, j'essaierai d'y répondre avec la plus grande sincérité et la plus grande honnêteté possible. Allez-y, il y a déjà une première question. C'est casse ou lait, donc un jeu de mots avec casse ou lait, vous avez compris, hein, ouais, je pense que vous avez compris. Qui me pose cette question, regardez bien. Salut, est-ce que tu vas poser les balls ce soir avec genre une Soraka top ou middle? Eh bien, c'est vous qui décidez si je vais jouer Soraka top ou middle. Vous venez de répondre au sondage. On va aller regarder du côté justement de ce sondage quel héros vous m'avez choisi. Alors, je vais aller en même temps que vous. Oh, 620 votes qui ont été collectés. Merci à vous, c'est vraiment pas mal du tout. Je publie le sondage en même temps que vous. Donc, je vais regarder le truc en même temps que vous. Attention, et qui c'est qui a été pire? Qui a été choisi? Kha'Zix. Oui, parce que j'ai acheté Kha'Zix. Ah, comment? Oui, j'ai acheté la Sotowell, quoi. Oui, j'ai envie de faire des bons partout, partout, dans la jungle et tout. J'ai envie un petit peu de glamper aux arbres. Enfin bref, j'ai acheté Kha'Zix, vous avez voté pour lui. Et puis après, deuxième pick, Darius pour lose la game. Et oui, parce que ça, c'est le petit mojo, le petit délire en ce moment même de notre ami Zerator. Apparemment, pour lui, Kha'Zix, vous gagnez la game. Et puis, Darius, vous la perdez. Donc du coup, bah, je me suis permis de rajouter un petit peu ces deux citations de notre ami Zerator que vous retrouverez demain et même ce soir, juste après moi, si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, attention, peut-être que je dis des bêtises, mais je ne sais pas, ce n'est pas grave, on est tous présents sur IRC, sur le Legendary Osef. Allez, donc du coup, si on arrive à le prendre, ça sera Kha'Zix, il a été ban. Et voilà, il a été ban, donc ça sera pas Kha'Zix. Je suis désolé, je ne peux pas prendre Kha'Zix, c'est impossible. Riot Games m'interdit de prendre ce héros, donc ça ne sera pas Kha'Zix. Darius, par contre, ça sera possible, et ça sera donc Darius pour lose la game, apparemment. Donc c'est ça que vous voulez, hein, dans ce Legendary, c'est que je lose la game. Deuxième, troisième proposition, c'était Soraka, mid ou top. Ah oui, parce que vous aimez bien un petit peu les picks un petit peu farfelus comme ça. Eh bien, vous avez choisi Soraka, 45 votes pour Soraka, 42 pour Darius. Ah bah non, c'est Soraka donc qui est devant, excusez-moi. Oh, oh, Soraka, oh, swap to me. Oh là 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 là, Soraka qui a été pick, les amis, Soraka qui a été pick, et donc elle est obligée de prendre Darius. Je lui demande quand même si on peut swap... Ah là 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 là. Alors, je suis en train de lui demander hein, quand même. On a encore 15 secondes. Ça sera sinon un Darius qu'on va prendre. Alors, on va déjà directement prendre la page de rune, la page de Mastery. Ah non. Bah alors, je vais. High top. Oh bah alors, pff, ok. Je mid. NP, les amis. On va mid avec Darius. High mid. Then. NP, de toute façon, on sait que. Darius, que les bruiseurs mid, ils peuvent tous aller middle maintenant. Tous les bruiseurs, ils peuvent aller middle. Donc, on va aller middle avec notre cher Darius. On prend donc la bonne page de rune, bonne page de maîtrise. La page de rune, c'est bon, la page de maîtrise. Alors, celle-là, faut pas la pique. C'est une page de rune que j'avais fait directement dans la nouvelle saison 3 quand j'avais regardé un petit peu tout ça. C'est genre une page de jungle, mais une bad page de jungle. Donc, ne surtout pas prendre. Voilà. Nous avons quoi d'autre? Qu'est-ce qui pourrait être sympathique? On a une Katarina en face, donc on jouera contre une Katarina. C'est bien, puisqu'on a un crampon, on a un CC, elle va donc pouvoir être interrompue sur son ulti. Est-ce qu'on prend un Georges ou on prend un autre truc, un Roba des Bois ou un Adétarde? Un Adétarde, ça pourrait être pas mal du tout. Ah non, attendez, l'Adétarde, et moi il me faudrait quand même le point d'affinité runique si je prends Adétarde. J'hésite, ah bah regardez, un 21-09, oh non c'est Bolzir, ah 21-09 c'est Bolzir. On est d'accord. Oulala, ils sont un petit peu trop rapides là. Hey, nous avons une Sivir en jungle apparemment. Et bah du coup, ok.
La partie commence bien. Sivir? Sivir Jungle, ok, avec réanimation, donc pas de problème actuellement. Une game qui est déjà perdue d'avance, les amis, mais c'est pas grave, une seconde encore avec donc réanimation. Merci à Good Lowy de quitter cette game et on verra peut-être votre choix, hein, petit Kha'Zix. C'est ça que vous me demandiez tout à l'heure, lors du sondage. Peut-être qu'on verra. Ah, c'est dommage quand même, c'est dommage. On était bien parti dans la game ou quoi? J'avais quand même réussi à avoir un pick sympathique. Darius Mint, c'est sympathique quand même. Ça se voit pas souvent et à mon avis, ça envoie quand même assez du lourd. Je vais répondre à quelques questions sur IRC. Mon AK, je vous le rappelle, c'est M entre crochet Studio. Si vous voulez me poser des questions ou quoi que ce soit, allez-y, c'est parti. Alors, Toutouk, salut Lège, en rapport avec le jeu Flash. Ah, une question de la part de Loubas à propos donc du jeu Flash. Qu'est-ce qu'il nous pose comme question? Tu devrais faire une partie avec le premier gagnant, ça rendrait la chose plus dynamique, je pense. Alors, faire une partie avec le premier gagnant, mais c'est-à-dire avec le jeu que je viens de faire, là, avec le jeu des zombies, mais ça serait un petit peu dérangeant, quand même, ça serait pas possible, surtout. Ah, faire une partie de League of Legends avec le premier gagnant. Certes, je pourrais faire ça, mais... en fait, ce que je n'aime pas trop, c'est que dans les jeux Flash, vous pouvez très bien aller sur Google. C'est pour ça qu'on ne vous fait pas gagner des choses lors du jeu Flash. C'est par exemple que vous pouvez très bien aller sur Google, trouver une image de fin du jeu Flash que je vous ai proposé. Donc du coup, tricher, en fait, tout simplement. Ça serait un petit peu bad, hein, ça, on est d'accord. Donc du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de choses qui sont faites lors du jeu Flash. Je ne sais plus quoi dire. Est-ce que je vais terminer cette phrase? J'en doute. Est-ce que je mettrai donc un point à la fin de cette phrase? C'est la question que je suis en train de me poser actuellement. Antissou qui m'a déjà envoyé un screenshot en me disant Epic. Donc c'est sûrement le résultat donc, du jeu Flash, c'est-à-dire sa victoire avec la fin du jeu de zombies. Non, c'est pas exactement ça. Je vous transmets l'URL puisque c'est assez marrant quand même. Si vous êtes sur Diaz Minimum 2, allez-y, vous allez voir une photo épique de moi-même. Je pourrais très bien aussi vous la mettre. Oh, je vous la mets. On est entre nous. Allez, voilà, on se connaît depuis longtemps tout de même. Donc, je pense que je peux vous la mettre. Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas beau. Ça, c'est du screenshot, voilà. Ouais, ça c'est du screenshot à publier évidemment sur mon Facebook Legelol, L-E-G-E-L-O-L. Je pense que ça va être la base. Alors nous avons un Kha'Zix. Kha'Zix n'a pas été ban et n'a pas été pick actuellement, donc très très bad de leur part, pour être tout à fait franc avec vous. Va falloir un petit peu qu'ils fassent quelque chose là. Ah non, Kha'Zix a été pick maintenant. Donc voilà, Kha'Zix de pick. Nous avons une Soraka. Vous m'aviez demandé une Soraka. Oh la vache, oh, je suis le dernier pick en plus. Non mais c'est bon, la Soraka donc, de tout à l'heure a été pick maintenant. Elle va aller en supporting de Ezreal. Maokai dans la jungle. Fizz middle. Fizz jungle. Kha'Zix middle. Garen top. Ou alors Garen sera top anyway. Est-ce que Kha'Zix sera jungle ou est-ce que Kha'Zix sera middle? C'est la question qu'on pourra se poser par rapport à leur composition. Galio, lui, sera middle, ça c'est sûr et certain. Et on va pouvoir aller défoncer du Garen avec Darius, le troisième pick que vous m'avez choisi dans ce Legendary. Garen, un exécutionneur. Darius, un exécutionneur. Qui c'est qui aura la plus grosse guillotine? Eh bien, on verra ça dans quelques instants. Dans quoi? Allez, une petite minute. On va checker les pages de runes. Robin des Bois. Non, on va plus faire Robin des Bois. On va faire un George, à mon avis. George is in jungle. Doudou. Voilà, je pense que vous connaissez ce film. Un très, très bon film. Ah, Guillotine Man. Exactement, c'est ça. C'est la page de runes que je veux. C'est la page de runes du bourreau Darius. 9-21-0 avec donc le courroux d'invocateur qui... upgrade votre sort d'invocateur fatigue, embrasement, fantôme ou garnison. D'ailleurs, avec garnison, si vous ne le saviez pas, les tourelles alliées qui bénéficient de garnison infligent 50% de leurs dégâts en dégâts de sort. Complètement. Et on prendra donc garnison qui n'est actuellement pas là, qui a été enlevé sur la faille de l'invocateur. Est-ce qu'il y a encore garnison sur, par exemple, la Dominion, des choses comme ça? Je ne pense pas. Alors, ça va être trop sérieux qu'au partir de chez Millennium, stream crash again. Oh la vache. Oh la vache.
Je ne sais pas si vous me voyez encore, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe actuellement. Moi, je n'ai pas de retour de stream, je n'ai pas réussi à me connecter à Medium.org ou à Dailymotion, l'un des deux. Bon, on va aller checker tout ça de mon côté. On se retrouve dans quelques instants, voilà, pour la première game du Legendary, Garen. Oh, Demacia. Contre Darius. Oh, Basketer, un dunk. Tout de suite, sur Medium TV. Noxer, reste calme, voilà, allez, on est dans la game, on est ensemble avec 69 d'AD les amis, bah oui, si vous ne connaissez pas un petit peu Darius, il commence avec 69 d'AD, lui c'est un vrai le Darius. Nous avons un Kha'Zix donc jungle en face, et je suis opposé à Garen. Je me pose des questions, avec quel start je... Non, avec quel build je start, c'est plutôt ça ce que je me demandais. On va commencer, on va essayer les amis, oui, bah pourquoi pas. Je vois tout le monde qui fait ça, Fiole, 4 potes, une pote de mana, plus une ward. Et bah nous aussi on peut essayer, dans le Legendary tout est permis. À quel elo je suis, puisque j'ai vu quelques questions à propos de ça. Ça vous intéresse vraiment savoir à quel elo je suis? Bah non les amis, il y a tout un mythe qui va s'effondrer du coup. Je suis à plus de 3000 elo. Je suis à plus de 3000 elo, ne me pétez pas les rouleaux. Oui, au bout du rouleau, exactement. Si quelqu'un a sorti cette blague sur IRC, il sera automatiquement kick pour mauvaise ban. Voilà, je préfère vous prévenir. Alors, je n'aurai pas un jeu en français à propos du jeu Flash. Guamain. Non, mais le jeu, il est... Ah, c'est de l'anglais simple. Si moi, j'ai réussi à le comprendre, vous aussi, vous pourrez le comprendre. Je n'en doute pas du tout. On va augmenter un petit peu le son peut-être de League of Legends, hein, pour que vous puissiez l'entendre agréablement. Pop, il est là. Voilà, il est là. Et normalement, vous devriez l'entendre correctement. Oh, le volume des voix. Oh, il n'y avait plus le volume des voix. Ah bah oui, il n'y a plus le volume des voix, c'est marrant ça, on va augmenter un petit peu la musique. On augmente un petit... Allez, encore, volume principal. Ni reddition, ni voilà. Retraite. Voilà, ni reddition, ni retraite. Ça, c'est ce que je veux entendre, mon Darius. Ça, c'est ça qu'on veut. Voilà. Allez, on reste un petit peu ici. On attend le Garen qui va arriver normalement du bush, voilà. Hop. Ah, je l'ai pas touché. Donc, fail de ma part au level 1. Ah, si je l'avais touché, ça aurait été plutôt... Ça aurait été pas mal. Voilà, regardez. Là, je lui mets vraiment la sauce. Alors que tout à l'heure, c'était beaucoup, beaucoup moins bien. Alors, il est parti sur quoi? Il est parti bot 3 potes. Donc, ça va... Oui, avantage pour moi, clairement. Allez. Allez. Oh, je prends un coup de tower. Quel noob je fais? J'ai pris le crampon, eh oui, j'ai pris le crampon level 2. Je me suis dit, ça sera une bonne idée, ça. Alors, 8 secondes avant le reset du CD. Et nous avons Kha'Zix en train d'arriver. Hop. On va s'en aller tranquillement, pas de soucis. Kha'Zix level 2, juste avec le blue buff. Allez, regarde, j'ai mis une ward, tu ne viens plus me faire chier. Non, c'est fini, tu t'en vas.
Tu t'en vas maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un V1 Darius? Bon, c'est vrai que comme je suis tout seul, tu vas me mettre un petit peu la sauce, mais attention à toi quand même. Attention, je peux être un petit peu vénère. Moi, je peux être un mec méchant. Alors, okay, il est en train de revenir justement. Oh, j'ai utilisé mon flash. Maokai qui arrive. Et là, ça peut envoyer du lourd. Go, 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 go. Ah non, il a pas envie apparemment. Il a plutôt envie d'aller gank Garen. C'est ce que je crois. J'ai un crampon, on va pouvoir lui mettre vraiment tout dans la bouche. Alors, attendons tranquillement. 9 CS pour moi-même, Garen est à 13. Alors, ouais. Ah, reste là Maokai, reste là. On est bien tous les deux, on est bien. Allez, on reste. Et voilà, normalement on devrait faire le kill. Allez, vas-y. Un petit truc comme ça. Allez, les larmes qui proc, vas-y, je sais pas. Est-ce que ça kill? Ça kill zéro? Fuck! Eh fuck. Ah là là, Garen no ignite. Ouais, Garen no ignite, ben moi non plus, nos flash, non rien du tout quoi. Donc bon, c'est pas Warsit, mon cher ami. Ah là là, c'est dommage, hein. C'est dommage cette action. Bien voulu quand même à le tuer, faire le first blood, ça m'aurait vraiment plu, je sais pas vous, mais moi ça m'aurait plu. Alors c'est archi buggé, il play Darius, oui je joue Darius, évidemment. Qu'est-ce qu'on achète? On va acheter des bottes, on va acheter 2-3 popos et on va acheter une petite ward, une autre oui, puisque on n'a pas envie de se faire gang aujourd'hui, et donc on la posera directement dans la river après. 16 CS, nous avons Garen à 17, 29 pour Kog'Maw, 29 pour Ezreal, et Fizz qui vient de faire le premier kill sur Galio. Et ça, c'est relou. Et OMG Mao apparemment, why not snare? Ah, il devait pas avoir envie. Voilà, ouais, bah, des fois il y a des gens qui n'ont pas envie. Et bah Maokai, il avait pas envie. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il va faire un truc? Est-ce qu'il peut? Il peut tenter, Maokai, de faire un petit truc, de toute façon. C'est pas plus un héros de merde. Ouais, vas-y, viens, V1. Viens, V1 contre Darius. On va rigoler. Allez. Voilà, on rigole. Ah bah, c'est rigolo. C'est rigolo, tout ça. Ah, c'est moins rigolo. C'est moins rigolo. Vous avez été tué. C'est moins rigolo. Oh allez, oui. Allez. Sérieusement? Sérieusement, il l'a pas tué? Oh là là. Un allié a été tué. Oh là 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 là. 3-0, 0-3 dans la game. Oh là 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 là. Doublé ennemi. Oh là là, doublé de la part de Kha'Zix. Kha'Zix 2-0-1. 1-0 pour Fizz, 1-0 pour Garen. Oh là 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 là. Eh oui, mais j'ai pas pensé au tourbilol de Garen. Moi je pense à mon tourbilol, mais pas aussi. Ah oh, merde. Non, j'ai vraiment fait des bêtises là. Maokai qui est là, il va poser sa ward. Oh. Ah, c'est dommage tout ça. C'est bien dommage. Ah, c'est surtout la première action où Garen s'en va vraiment à très très low HP. Là, on aurait dû vraiment réussir à le tuer. Ah, je suis déçu. Bah, je pense que vous entendez la déception dans ma voix. Il y a surtout 4-0 pour l'équipe en face aussi. Donc ça va être plutôt difficile. Oh, j'ai pas réussi à l'avoir. Ça, c'est la honte. Garen va sûrement revenir dans pas très longtemps. Il a 25 CS. Je suis en 25 aussi. Enfin, on est copains de CS. Ah merde, je me suis trompé de sort. Voilà, ça c'est bon. Je fais saigner un petit peu. Je crois que j'ai vu Kha'Zix middle. Oh là 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 là, Fizz qui est en train de mettre la sauce à Galio. C'est quand même un petit peu étonnant, puisque normalement il devrait pas avoir forcément trop de soucis. Oh, je lui mets le. Ah! Je l'ai loupé. Je l'ai loupé, je suis nul. Excusez-moi, homme, enfant, ami, femme et chien de prairie. On reste là. On reste là. Il nous faut notre level 6 tout de même. Va être difficile. Va être difficile cette game. Non, on s'en va.
Voilà, tu t'es fait slow. Voilà, ça c'est bon. Oh. C'est bon. Aucun souci. Oh, j'aurais dû Kylie Ignite. Pourquoi j'ai pas Kylie Ignite? Quel noob j'ai été. Attention. Voilà, boum. Et voilà, qui c'est qui fait du kill? C'est moi. J'aurais pu quand même Kylie Ignite, ça m'aurait permis de écho mon flash. Je ne vois pas Kha'Zix. Je ne vois actuellement pas Kha'Zix. On va préférer back. On va préférer back. Neos, je suis d'accord avec toi. Ignite, eh ben oui, ben je l'ai claqué là. Là, je l'ai claqué, mon Ignite. Eh oui, et plutôt deux fois qu'une. Alors, nous allons partir. Sur quoi on part? J'ai envie de me la jouer plutôt secure en early. Ah, bien ça. Bien ça. Ezreal qui tue Nunu. C'est une très bonne nouvelle. 34-16 pour moi-même, 29 pour Garen, nous avons 48-16 pour Fizz. Galio est à 49, donc c'est plutôt équilibré. Il y a juste un 0 sur la lane. Nous avons Kha'Zix à 30-16, 2-0-1. Maokai à 29-16, 0-0-0. Nous avons Ezreal à 68. Et là, il y a une grosse différence, puisque 48 pour Kog'Maw. Ça, c'est très très bon. Ezreal qui peut carrer une game à lui tout seul, pour moi. Hein. C'est un des seuls carré D qui peut le faire. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Oh là! Oh là, oh là, oh là. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là, mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fait? Mais sérieux? Est-ce que des gens ont vu cette action-là? Doublé ennemi. Oh la vache. Le mec... Le mec a route, n'a pas route. Le mec n'a pas route. J'aurais kill avec le route. Personne n'a vu cette action. Eh bah merde. Eh bah merde. Parce que là, Maokai m'a fait halluciner. Ah là 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 là. Là, j'ai pas top sur ce coup. Bah ouais, mais non. Maybe Fizz gank me and me trash. Bah non, mais... Allez. C'était obvious. Mais c'est toujours obvious pour vous. Pourquoi c'est obvious pour vous et pas pour moi? Moi, j'ai l'impression qu'avec le route sur Garen, je le tuais grâce à l'ulti, etc., aux larmes, machin, tout le bordel, on aurait mis vraiment, vraiment la sauce pour moi, à mon avis. À mon humble avis. Hop. Voilà, ça s'est fait, tourbilol. Et il serait pas en train de récolte, lui? Il serait pas petit en train de récolte. Ouais, il a back. On va dire quand même un SS, histoire d'être plutôt sûr, hein, et puis de pas se faire insulter après. Il est revenu donc du coup au CS, et il m'a même dépassé, le salopard. Ezreal qui tue Nunu. Two times. Nice. Ça fait plaisir. Et Garen, il est parti sur quoi? Il est parti directement sur un phage. Ou peut-être qu'il est parti sur Black Cleaver, mais il a acheté le rubis cristal avant. Ce qui est pas forcément une mauvaise. Non, c'est pas une mauvaise idée. Je suis plutôt d'accord avec ce choix d'item. On va essayer de décaler. Garen, lui, est vraiment à sa tower. Il y a un Fizz peut-être à prendre. S'il décide de faire quelque chose, peut-être que c'est Ward. J'ai l'impression que c'est Ward. Ouais, c'est complètement Ward. Un allié. Et puis c'est même Ward maintenant top lane. Il y a eu l'ulti de Soraka, hein, vous l'avez vu, qui a pop. Il est en train de nous freeze la lane, le Garen. Hop. Allez, vas-y. Oh, ouais. On va pas trop non plus hein, faire le mariole. Il a 3 potes, j'ai 3 potes, mais... Ouais. Toi, tu veux sentir la frite, hein. Vas-y, on va jouer tous les deux. On va jouer, mais attends. Attends un peu. J'ai mon Ignite. Lui aussi devrait l'avoir normalement. Il m'a mis un petit silence. Il se fait plaisir. Ah, il se fait plaisir, le bâtard. Ah, il va voir. Ah, Garen qui est en train de décaler. Qui est en train de faire je ne sais quoi. Oula. Alors, on va utiliser les petites fioles.
Ah, je voudrais bien. Je voudrais bien qu'il vienne le Maokai. Mais non, c'est pas dans ses plans. En tout cas, pas tout de suite. Allez, on va quasiment voir tous les CS. Petite fiole. Donc là, c'est wardé, hein. Oh, il comprend rien. It's warden. Il comprend rien, ce Maokai. Mais bon, voilà, c'est la vie. C'est la vie. Les avèges. Voilà. Ah, on lui a mis le slow. Vous avez été tué. Et voilà. Donc je suis mort. Il m'a vraiment bien défoncé, encore une fois. Je ne sais pas quoi faire. Là, je dois vous avouer, je suis dans... Je n'ai aucune idée de comment gérer cette partie maintenant. J'ai acheté à 2 épées longues pour faire beaucoup d'AD. Mais ça a l'air d'être la merde. Laisse tomber. Lège et M esquive le sujet. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des gens, j'ai l'impression, qui arrivent à voir le stream. D'autres, pas du tout, mais genre... Mais genre zéro. Hein. Genre des... Un putain de zéro. Actuellement, je ne sais pas... Je ne sais pas comment ça se passe. C'est sûr que ça doit pas être très intéressant si vous voyez en plus que du noir et blanc. Alors déjà du noir et blanc, mais en plus si ça lag tout le temps, ça doit être assez atroce pour vous. Le problème vient de Dailymotion, on peut rien y faire en gros. Hein, c'est pas... On sait pas quoi vous dire d'autre quoi. Soit, alors sinon on stream pas. Sinon on laisse un écran noir et on ne stream rien. Sinon on peut commenter les actions, voilà, s'il y a Radio Lège. C'est déjà pas mal Radio Lège, mais oui, mais oui. C'est comme avant, on n'avait pas la couleur mais le son. Non, on a pas l'image. Pas l'image, on a comme ça. Oh, c'est comme ça, voilà. Oh, Ezreal qui retue Nunu encore une fois. Nunu, c'est un petit peu le feeder en face, j'ai l'impression. Oh là là là, il est level 11. Ah, je vais être obligé d'aller faire mes golems, d'aller faire d'autres choses que ce que je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire essayer de le face. Et je vais rester en dessous de ma tower parce que sinon... je vais avoir des gros soucis. Les level 11, il a sa Black Cleaver. Aïe 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 aïe. J'ai 2 épées longues, j'ai même pas mon Bruta. Et lui, il a déjà le Bruta. Il a déjà le Bruta, il a déjà le Black Cleaver complètement. Donc...